Salut à tous, c'est Moustaki. Bienvenue aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Je devine vos actions. Le concept est encore tout frais, donc on n'a pas reçu beaucoup de clips par mail. Du coup, Thomas m'a préparé une petite compile de clips. Mais attends, tu connais peut-être pas le concept, Thomas. Jingle, s'il te plaît. Le concept est simple. J'ai préparé plusieurs clips vidéo. À chaque fois, Mousse aura le droit de visionner le début d'un de ces clips. Puis, le clip sera mis sur pause. À partir de là, Mousse disposera d'une minute chrono pour lire les 4 réponses possibles affichées à l'écran et en choisir une. Seulement l'une d'elles est le véritable dénouement du clip. Pour les prochains épisodes, une adresse mail est mise à disposition dans l'espace commentaire, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos clips aux dénouements les plus improbables. Et pour ceux qui ont une grosse moustache, à nous dire dans l'espace commentaire si vous... vous auriez deviné l'action. Oublie pas de me donner ton score en commentaire, voir si tu m'as battu ou pas, mais à mon avis, c'est juste impossible que tu me battes. Et si tu veux figurer dans la prochaine vidéo, envoie-moi tes clips à l'adresse mail qui est en description. Je te laisse 30 secondes pour aller chercher à boire, à manger, mais quand tu reviens, mets ton plus gros pouce bleu, commentaire, tu t'abonnes pour pas rater les prochaines vidéos. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon ? Let's go ! Let's go ! Ok, ça écrase un mec. Réponse A, il tape la voiture et elle explose. Ouais, y a pas de raison qu'elle explose, je la vois pas fumer. B, il tape la voiture et tue sa team. Je l'ai jamais vu. Pourquoi pas. Il roule sur une mine et boum. J'avais pas l'impression qu'il y ait des mines. Je pense pas. Il se prend une roquette. Éventuellement d'un mec sur le pont, un truc comme ça. J'éliminerai la A et la C. Le plus probable, ça serait la D. Il se prend une roquette. Mais d'un autre côté, on va laisser place au plus improbable. La réponse B. Mais ce serait la première fois que je le vois. Hein. Tape la voiture et tu s'attires. Mais non, c'est ça. Oh my god. Attends, faut le revoir ça. J'ai jamais vu ça. Non, mais la probabilité que les trois mecs s'alignent. En plus, tu peux pas com sur ça, quoi. Non. Les mecs s'alignent. En plus, c'est improbable. Ils viennent vers la zone, je sais pas pourquoi. Tu passes de full team à dernier mec de la squad. Surtout qu'ils ont perdu leur goulag et tout. Franchement, premier clip énorme. This epic fail is very funny. Collision et le quad explose. Ouais. Collision et le quad s'envole. Ok. Frappe aérienne, tout le monde KO. Possible ça. Surtout que les annonces, on les a pas. Esquive et rien ne se passe. Alors si le mec il dit que c'est vraiment fun, la première c'est pas fun. La frappe c'est fun sans lettre. Rien ne se passe, c'est pas fun du tout. J'irai la B. Ouais, j'irai la B. Collision et le quad s'envole. Je vais rester sur ça. Vraiment, si ça se passe, c'est énorme. Ça serait un épisode épique. Ah oui, non, mais d'accord. Ouais, en fait, ce qui est drôle, surtout, c'est que le mec sort de la voiture, se fait écraser et rage. C'est ça qui est vraiment drôle. En soi, que le quad explose, c'est pas le plus drôle. Bon, ça fait 1 sur 2, tant pis. Allez, clip suivant. Un clip de Pentagone. Yo, my friend, can you hear me? I just saved you, bro. I won't kill you, okay? Ah, okay. Oh, no, sorry. Take care, he's... Ok, il y a un sniper là-bas. Le mec l'attaque. Je pense pas. Le mec s'enfuit, il a l'air d'aller en direction du sniper, donc... S'il s'enfuit... Ah oui, bah le mec se prend une tête. À mon avis, c'est le C. Hein. Réponse D, le mec dépop. Ah oui, ça peut être la D. Genre, il sait qu'il va mourir et il déco. Bon, si c'était ça, il serait pas réa. Hein. Au pire, il serait déco direct. Je vais dire la C. Parce qu'en plus, il y a un sniper qui est juste en face, derrière. Il a commencé à tirer sur Pentagone, on a vu le flash. Donc je vais dire la réponse C. Le mec se prend une tête. Il va se relever et bam. Direct. C'était donc ça. Il y avait un mec là, il y en avait un deuxième je crois.
troisième mec. Alors, j'ai pas vu de quatrième mec. Je crois qu'il y en a trois. Quadra-kill avec la voiture. Faisable, mais il faudrait passer dans le petit hangar, ressortir, etc. Un mec l'attend aux roquettes. J'ai pas vu si ce mec-là, il avait un roquette. En plus, on ne peut pas revoir. Il se prend une frappe aérienne. Il se prend un mur et se fait tuer. La plus belle action, on va dire, ça serait le quadra kill avec la voiture. Le mec l'attend aux roquettes. Je pense que je vais prendre la réponse A. On est sur un 2 sur 3. C'est le 3 sur 4. C'est la réponse A. Oui. Ah non, mais je voyais pas ça comme ça par contre. Oui. Attendez, on va se remater ça. Putain, le premier mec fait jump la voiture. Là, les mecs ont aucune chance. Ils sont tous les trois. Oui, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour une révision? Oh my god. Alors. Donc là, il tire sur un bot. Hein. Il tue le mec et se fait exécuter. Possible. Surtout que derrière, on n'entend pas très bien. Il tue le mec et se fait déco. Moi, j'y crois pas trop. Il se prend une frappe aérienne. Un quad vide surgit et l'écrase. Et il sortirait d'où le quad? Là, je regarde un peu la carte, je vois pas de quad. Enfin, il y en a un là-bas au bout, mais bon. C'est improbable. On est sur un 3 sur 4 pour l'instant, faut être bon. Allez, il se fait exécuter. Je le vois bien se faire exécuter en tuant le bot. Surtout que derrière, on n'entend rien, je me suis fait piner la dernière fois comme ça. Réponse A. Oh my god! Hein? Mais la haine! Le quad, il va à 2 à l'heure. Genre là, si vraiment on est sur un jeu réaliste, mais IRL, tu mets ta main comme ça, c'est ok? Oh non, les boules. Oh non, les boules. Non, 3 sur 5. Bip-moi les bâtards, s'il te plaît, Thomas. Non. Allez. Clip suivant. Il reste deux mecs. Il lui en faut des balles à lui, hein. Eh ben. Zeb, 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 zeb. Zeb, zeb, zeb. Ok, un contre un. Il tue le dernier top 1. Ouais, c'est faisable. Ça fera un beau petit top 1, mais bon. Ouais, je sais pas. Il se fait tuer et pas top 1. Il se fait déco et méga sum. Ah oui, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Ah, sa manette se déco et pas top 1. Il y a match entre les deux. Je vais demander le 50-50. Du 50-50 parce que j'élimine les deux premiers. Le super moite-moite. Marcel, est-ce que je peux demander exceptionnellement le super moite-moite? J'aurais un penchant pour la C quand même. Est-ce que ça serait le 4 sur 6? Ouais, je vais dire la réponse C. Là, il pense trop qu'il va faire top 1, il a fait une belle game. Et le méga sum arrive là, il est juste derrière lui. Oh my god, oh les boules. Attendez, je vous remets le clip, mais avec sa tête. Vous allez voir, c'est juste trop drôle. Oh le giga sum. Imaginez, c'est la game qui vous manque pour faire la nuke. Oh les boules, oh les boules. Oh. Bon, on voit un truc à travers, hein. Il ouvre la porte, il y a un mec. Ça, c'est sûr. Et deux mecs, ils sont en quatuor. Mais non, mais là, il y a quatre mecs. Non, mais c'est sûr, je vais carrément avancer. On est sur un 4 sur 6, c'est un 5 sur 7. Là, c'est sûr et certain qu'il y a quatre mecs. Il peut pas être tout seul, les mecs. Ils se sont fait un délire. Je vais avancer. Il y a quatre mecs, c'est sûr. C'est le 5 sur 7. Oh my god. Oh, les cancers. En vrai, c'est drôle pour le clip, mais tu prends ça, t'as la mort. Donc là, déjà, ça recule sur l'hélico. La voiture tape l'hélico, il explose.
La voiture tape l'hélico, il s'envole. Ouais. Frappe aérienne, tout le monde KO. Un mec tombe du ciel sur l'hélico. La A, non. La B, ça serait le plus incroyable, mais ça m'étonne. La frappe aérienne, ça serait pas fou, je crois. À quoi qu'il y a deux mecs. Moi, je dirais la réponse D. Il y a un mec qui va tomber du ciel. Je vais répondre D. La réponse D. Ou encore D. La réponse D. Peut-être un 6 sur 8, là. Hein. Ouais, c'est le 6 sur 8. Oh, oh my god! No way! Alors là, je m'y attendais pas du tout. Pas du tout. Oh my god! Oh my god! Il est parti où là? Il part sur Verdansk là? Ok, on est sur un 5 sur 8 alors les gars. Le colis. Ouh, ça sent la merde le colis là. Le colis tombe sur un ennemi. Ouais. Le colis tombe sur son équipe. Je le vois bien ça. Le colis qui tombe sur la voiture et qui down les trois mecs. Le colis des pop. Le colis tombe sur... Ouais, en fait, il y a trop de trucs possibles là. L'ennemi, je pense pas. En tout cas, s'il tombe sur un ennemi, on le verra pas. Son équipe... ouais. Tombe sous la map. Non, la voiture, je dirais. Le 6 sur 9. Ça tombe sur la voiture, ça down ses trois potes. Réponse B. Réponse B. Ça va, ça en tue que deux, hein. L'autre, il a la chatte, hein. La chatte, la chatte, la chatte. Il se fait déco méga sum. Il se prend une frappe. Il se prend une roquette. Il roule sur tout le monde. Top 1. Déco, non. La frappe... ça m'étonne. Ils ont la zone au cul. S'ils mettent une frappe, potentiellement, ils se la prennent. Roquette. Moi, je pense qu'il va écraser tout le monde et top 1. Sachant qu'il reste... il reste 5 mecs. Ils sont tous les 4 en vie. Il reste 5 mecs. Je pense qu'il va rouler sur tout le monde. Il va faire un carnage façon GTA 3. Ouf. Oh oui, d'accord. Oh là là. Oh, oh, le carnage. Mais attends, on se le revoit, lui. Oh, le strike. C'est du bowling, là. Très bel épisode, Thomas. Franchement, surpris. On suis pas trop mal sorti. Je termine avec un 14 sur 20, un 7 sur 10. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre score. Et soyez honnêtes, les gars, commencez pas à tricher. En vrai, il y a pas mal de clips qui m'ont surpris. Mon préféré, c'est quand l'hélico part dans le ciel. Franchement, je m'y attendais pas du tout. C'était Moustaki. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Cœur sur vous. Peace. We'll be right back.